je suis venue vous raconter l'histoire de quatre vieux esquimaux. Mais non! De quatre vieux animaux qui décidèrent un jour de fuir pour toujours la méchanceté de leur maître. Chacun d'eux étant joué par un instrument de musique. Je m'en vais. Il s'en va déjà. Mais non! Je m'en vais vous les présenter. Et c'est parti, mon kiki! Le coq. De cuivre au coq hardi. Traité. Béqué. Embouché. Voici la trompette qui jouera pour nous le coq. Notre coco. Coco qui chante à tue-tête et profonde et fait naître le soleil éclatant. Mais non. Je me trompe. Je passe du coq à l'âne et Dieu sait si ces deux-là sont pourtant comme chien et chat. Cocori, cocorico. Cette trompette est loin d'être bouchée. Coco n'est pas une poule mouillée. Jusqu'à présent, il a eu, comme qui dirait, du piston. Mais nous verrons qu'il s'en faudra de peu qu'on le sacrifie. Ça perd les pompettes. Il a beau trompeter, il doit passer à la casserole. Pico. Un chien de chasse. Il grogne et fait le beau. Pardon. Il est assez calme.
Peut-il cracher le feu? Peut-il se rendre invisible? Le trombone le dira. L'âne. Regardez cette drôle de grande pipe. N'a-t-elle pas du chien? C'est une clarinette qui joue doucement les basses. Nous l'appelons donc clarinette basse. C'est elle qui jouera pour nous l'âne, notre ian. Il est si gentil. Il est si doux. Pourquoi s'en prendre à lui? Parce qu'il a de grandes oreilles. C'est qu'on aura trop tiré dessus. Les trafiquants. Vous l'aurez compris. Nos quatre compères ont la même bête noire. Les hommes. Ces gibiers de potence qui en veulent à leur peau. Toutes ces peaux tendues sur leur fût. Toutes ces baguettes de bois. Ces disques de cuivre. Ce sont les percussions qui joueront pour nous, les trafiquants de peau d'âne. Un drôle de zèbre qui débagoule des réchefs pour plaire à son chef. Bien mal lui en prendra. La contrebasse nous la prendra. Écoutez donc. Coup d'archer. Choc de flèche. Doigt crochu. Quel fracas. L'accordéon, avec ses beaux boutons d'or, de nacre et d'argent, pour être leur maison.
dindon de la farce. Lui? Ou lui? Lui! Moi? Mais non! Maintenant que vous connaissez tous les personnages, nous allons vous conter leur histoire. En route, mauvaise troupe! Un homme possédait un âne qui longtemps, longtemps avait porté sans se plaindre des sacs et des sacs au moulin. Hélas, pauvre Ihan! Il perdait un peu de force chaque jour et bientôt ne serait plus en état de travailler. Son maître songeait donc à le laisser mourir de faim. Mais l'âne sentit le vent tourner. Il s'enfuit et prit la route de Brême. Là-bas, se disait-il, je serai musicien de l'orchestre. Parti. Qu'il trouva un chien de chasse étendu sur le chemin qui gémissait comme s'il s'était épuisé en courant. Jappes-tu comme cela, waf waf? Lui demanda Ihan. Ah là 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 là, répondit le chien.
C'est que je suis vieux, je m'affaiblis de jour en jour et je ne peux plus aller à la chasse. Du coup, mon maître a voulu me tuer. Alors, j'ai pris la poudre d'escampette, vite fait, pfiou. Mais maintenant... Que puis-je faire? Comment gagner ma vie? Tu sais quoi? Lui répondit Ian. Je vais à Brême pour devenir musicien. Viens avec moi et fais-toi aussi embaucher par l'orchestre. Je jouerai la clarinette basse et toi, le trombone. Ouaf, ouaf, accepta avec joie. Et ils continuèrent leur route ensemble. Longtemps pour que soudain sur le chemin il croise un chat assis là tout raplap. À ce point, miaou, lui demanda Ian. Ah là 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 là, répondit le chat. C'est que les années filent, mes dents sont usées et je préfère m'asseoir derrière le poêle et ronronner plutôt que de courir après les souris. Du coup, ma maîtresse, elle a voulu me noyer, alors je me suis carapaté vite fait. Youh! Mais maintenant, que puis-je faire? Où aller? Viens donc avec nous à Brême, lui dit Ian. Si tu joues bien du saxophone, toi aussi tu pourrais devenir... musicien de l'orchestre. Mmh.
accepta avec joie. Et ils continuèrent leur route ensemble. Répondit le coq. J'annonçais le beau temps tous les matins, même s'il faisait mauvais. Mais je suis trop vieux maintenant, je ne me lève plus. Du coup, la patronne veut me manger dans la soupe alors. Je me suis envolé, vite fait. Mais maintenant, que puis-je faire? Brailler jusqu'à la mort? Ah non, répondit Ian. Viens plutôt avec nous. Nous allons à Brême. Tu joues bien de la trompette. Nous ferons de la bonne musique avec toi. Coco accepta avec joie et ils continuèrent leur route ensemble. Un seul jour. Oh.
quand vint le soir, ils parvinrent à une forêt où ils décidèrent de passer la nuit. S'envola même jusqu'au faîte où il se sentait plus en sécurité. Avant de s'endormir, Coco regarda une dernière fois aux quatre vents. Et il lui sembla voir dans le lointain une petite lueur. Il appela ses camarades pour leur dire qu'il devait y avoir une maison pas loin, puisqu'il y avait de la lumière. Ils se mirent donc en route, en direction de cette lumière. Et ils la virent briller de plus en plus et s'agrandir jusqu'à ce qu'il se retrouve devant une maison tout illuminée. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. Que vois-tu, Ian, de ma coco ? «
ce que je vois. Que vois-tu, Ian, de la miaou? Ce que je vois. Que vois-tu, Ian? Demande à Waf Waf. Ce que je vois. Une belle table dressée, couverte de plats succulents et de boissons raffinées. Et des dépeceurs, des trafiquants de peaux d'animaux. Assis là, qui s'en donne ta cœur joie. Sont pour lécher déjà les babines. Les animaux tinrent à leur conseil pour savoir comment s'y prendre pour déloger les trafiquants. Et finalement, ils trouvèrent le moyen. L'âne posa les pattes avant sur la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne. Le chat grimpa sur le chien. Et le coq s'envola et s'assit sur la tête du chat. Ensemble leur musique. L'âne se mit à braire. Le chien a aboyé. Le chat a miaulé. Et le coq a... Thank you.
jetèrent dans la pièce, faisant voler les carreaux en éclats. Sauf qui peut! Les trafiquants, stupéfiés par cette horrible clameur, croyant qu'un fantôme était entré dans la maison, s'enfuirent, épouvantés, dans la forêt. À baffrer tous ceux qui restaient comme s'ils étaient à jeun depuis un mois. Après ce joyeux festin, nos quatre musiciens éteignirent la lumière et cherchèrent un endroit où dormir. Chacun selon son bon plaisir. L'âne se coucha sur le fumier. Le chien derrière la porte. Le chat sur la cuisinière, près des cendres chaudes. Et le coq sur une poutre. Et comme ils étaient fatigués de leur longue marche, s'endormir bien bientôt tôt. Les trafiquants de peaux d'animaux virent de loin qu'aucune lumière ne brillait plus dans la maison. Tout paraissait tranquille. Le chef leur dit alors : nous n'aurions pas dû nous laisser impressionner comme cela. Et il ordonna à l'un de ses hommes d'aller inspecter la maison. Celui-ci, rassuré par le calme qui régnait, alla dans la cuisine pour trouver une lumière. Comme il croyait que les yeux brillants du chat étaient des charbons ardents,
Il en approcha une allumette pour lui faire prendre feu. Mais Miaou n'était pas d'humeur à plaisanter. Tout hérissé, il lui sauta au visage, crachant et griffant. Le trafiquant, paniqué, se mit à courir et voulut sortir par la porte du fond. Mais Waf Waf lui sauta dessus et le mordit au mollet. Et comme il traversait la cour à côté du fumier, Ian lui décocha une de ses plus belles ruades. Pouf ! Coco, réveillé par les bruits et soudain plein d'entrain, cria du haut de sa poutre : Cocorico ! Cocorico ! Cocorico ! Alors, le dépeceur courut aussi vite qu'il le put vers son chef et raconta. Ah là 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 là. Dans la maison, il y a une horrible sorcière qui m'a craché dessus et m'a déchiré le visage de ses longs doigts crochus. Et devant la porte se tient un homme armé d'un grand couteau qui m'a transpercé la jambe. Et dans la cour, il y a un monstre tout noir qui m'a cogné dessus avec une énorme massue. Pouf ! Et en haut, sur le toit, il y a un juge immense qui crie : Amenez-moi ce vaurien ! Amenez-moi ce vaurien ! Ah là 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 là, j'ai décampé. De ce jour, les trafiquants de peaux d'animaux n'osèrent plus s'approcher de la maison. Et les quatre musiciens de Brême, Ian, Waf Waf, Miaou et Coco, s'y sentirent si bien que jamais plus ils n'en voulurent sortir. A dit hier encore qu'ils y étaient toujours. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez les entendre tout là-bas.
jouer leur musique. Thank you.